Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Joseph Yonlonfou n'est plus le médiateur de la République du Bénin. Il est remplacé par Pascal Essou ce mercredi en Conseil des ministres. Point de presse du ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ce mardi. Objectif, donner des précisions sur l'opération de libération des espaces illégalement occupés le long de la plage de Figeo-Sès jusqu'à Adunkor et puis hors de nos frontières, mercredi de deuil en Russie, suite à une fusillade intervenue hier dans une école de Kazan. Bilan, 9 morts et une vingtaine de blessés. Merci pour l'attention. Pascal Essou est désormais médiateur de la République du Bénin, ancien député. Il a été nommé ce jour en Conseil des ministres en remplacement de Joseph Yonlonfou, qui gère l'institution depuis 2013. Le médiateur joue le rôle de facilitateur dans la gestion des crises sociopolitiques. Adolphe Djima est désigné pour remplacer représenter le président de la République au sein du Conseil électoral, CE. Il sera la voix, les yeux, les oreilles du chef de l'État au sein de ce nouvel organe en charge de l'organisation pratique des élections en République du Bénin. D'une désignation à une autre, le chef de file de l'opposition, Paul Rouquet, a également désigné son représentant au sein du Conseil électoral ce mercredi 12 mai 2021. Il s'agit de Sani Gounou, membre de FCBE, ancien parlementaire, député de la 7e législature. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre du Cadre de Vie et de Développement Durable a animé un point de presse dans l'après-midi de ce mardi 11 mai. Je le disais dans les titres, José Didier Tonato a apporter des explications sur l'opération de déguerpissement des occupants illégaux de la plage de Figeo-Sès jusqu'à Adunkor. Voici un extrait de ces explications au micro de Carnot François Rongbada-Rinto et de Fiacre Voitan. Le gouvernement est dans une démarche ayant de la suite dans les idées, dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Nous avons fait la protection côtière, je l'ai rappelé, à coût de dizaines de milliards à Cotonou, Cotonou-Est, à Vlekete, c'est fini, à Grand Popo, ça va commencer. Et si on cumule tout ça, nous avons dépensé plus de 200 milliards de nos francs pour mettre à l'abri le territoire du Bénin contre l'érosion côtière. La deuxième étape, et c'est ça qui rend intéressant la protection côtière, c'est qu'elle n'est intéressante vraiment que si elle débouche sur un aménagement balnéaire qui favorise le développement du tourisme. D'où l'installation de lacs marins à Akpafuadonatin, à Cotonou-Est, d'une façade de lac marin de 5 km à Vlekete, et bientôt des aménagements au droit de l'embouchure, la bouche du roi à Grand Popo, tout cela dans l'intérêt du tourisme. Depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers travaillent à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocoteraie. Voilà pourquoi aujourd'hui, le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage
depuis des lustres l'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire et de pouvoir aller à leurs examens en toute quiétude. L'artiste ne meurt pas, dit-on. Après 40 ans, les Rastafari continuent d'honorer la mémoire de Robert Nesta Marley, créateur du mouvement Rastafari. Pour cette année 2021, les étudiants de l'ensemble artistique et culturel de l'Université d'Abomey-Calavi ont organisé un géant concert pour les mélomanes du reggae. Espoir Oumambou, Juste Defonji, Jean-Baptiste Boko y était. Voici leur reportage. C'est à ce rythme qu'a vibré l'université d'Abomey-Calavi au cours de cette soirée qui célèbre le créateur du mouvement Rastafari, Robert Nesta Marley. Cet énième spectacle du 11 mai est organisé par l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Une célébration exempte de consommation de stupéfiants. Depuis 3 ans ou 4 ans, nous organisons un concert reggae sans tabac. Un concert reggae où on s'est dit qu'il faut appeler la jeunesse à la conscience. Et là, on s'est dit qu'il faut faire quoi dans le temps? Nos aînés ont dit qu'il faut faire un 11 mai sans tabac. Et que le 11 mai que nous organisons n'est pas une excuse de dérapage. Et nous célébrons la conscience nègre. Pour nous, le 11 mai, c'est un moment de se distraire, de chanter les mélodies de Bob Marley, de Lucky Dube, de Alpha Blondie. Au cours de la soirée, les casseurs, l'orchestre de l'EACE a fait planer les spectateurs. Venus nombreux soutenir leurs jeunes frères, les anciens de l'EACE sont heureux du résultat. Je suis comblé de joie, je suis vraiment ravi de ce que j'ai pu observer. Donc ce que moi j'ai observé aujourd'hui, 20 ans après mon départ, c'est que tout se déroule bien et on ne peut qu'en être fier. J'éprouve un sentiment de fierté. De fierté dans la mesure où il y a cela 23 ans, bientôt un quart de siècle, que nous avons été membres de cet ensemble. Et aujourd'hui, dans les responsabilités qui sont les nôtres, nous notons que la flamme est maintenue et que les jeunes, avec la prestation que nous venons de voir, sont à la hauteur et peuvent prendre part au concert d'autres orchestres aussi talentueux de la place ou d'ailleurs. Pour ces anciens, le mouvement Rastafari est un mouvement de paix. La musique reggae, ils seront également. Vous savez, c'est la seule musique où on ne chante pas pour chanter. Nesta, Bob Marley, message de paix. Nous sommes venus passer un message de paix au lendemain des élections que nous venons de traverser. Notre pays continue de se révéler comme un pays de paix. Et Nesta Bob Marley n'a jamais été un messager de la guerre. Il n'a jamais été un messager des troubles. C'est ce message-là que nous avons passé à la jeunesse qui se trouve devant nous. Robert Nesta Marley a quitté ce monde le 11 mai 1981. Et depuis lors, les fans de la musique et de son idéologie ne cessent d'honorer sa mémoire.
Quatre talents béninois ont participé à la troisième édition de la compétition The Voice Afrique francophone. Sur les quatre, deux sont allés en finale, mais aucun d'eux n'est sacré champion. À l'heure du bilan, les acteurs culturels rencontrés par Espoir Humambu sont fiers des talents béninois et évoquent les enseignements à tirer de cette participation. Suivez plutôt. Cette troisième saison de la compétition de The Voice Afrique francophone a révélé la grandeur des talents béninois. Les deux représentants béninois en finale ont émerveillé, mais cela n'a pas suffi pour ramener le trophée au bercail. Pour la plupart des culturels béninois, le Bénin mérite largement de remporter ce trophée. Il y a eu un piège. Le fait qu'il y ait deux béninois est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que deux Béninois étaient déjà en finale et puis il y a d'autres nations. Naturellement, moi j'avais ma candidate et vous, vous avez certainement votre candidat. Et donc du coup, quand on choisit l'un ou l'autre, on émiette les voix d'une certaine façon. C'est bien d'avoir un talent, c'est bien d'avoir un peuple derrière, solidarité, tout ça, voter. Mais c'est également une question de grand lobbying. Et c'est le lobbying qui a joué en faveur de la gagnante. De cette édition-là. Et je voudrais en profiter pour fustiger le mode de désignation de ces finalistes-là, du gagnant, parce que on ne peut pas, à une compétition aussi sérieuse, d'une envergure aussi énorme, tabler essentiellement sur les votes pour élire un champion. Le Bénin n'a pas gagné, mais le Bénin a participé. Et le Bénin fait partie des gagnants. C'est clair. Le Bénin n'a pas ramené le trophée. Et selon les avis des uns et des autres, on vous dira que les candidats du Bénin sont les meilleurs. Parce que le vote est venu changer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Les coachs, c'est que les coachs ont compris et savent que les deux candidats du Bénin étaient les meilleurs. À la fin de la compétition, il importe de tirer des leçons pour se préparer pour les fois à venir. Le premier enseignement que je retiens, c'est que le Bénin est attaché à sa culture. Les Béninois sont attachés à leur culture, aux valeurs qui viennent de chez eux. Et comme on a l'habitude de le dire, le sport et la culture sont des éléments fédérateurs. Le second enseignement, c'est que c'est un échiquier qui jauge, qui a permis de jauger nos talents, notre niveau en matière de musique. Et je me réjouis de la position où nous nous sommes retrouvés au final. Dans l'histoire de Voice Afrique francophone, c'est la première fois que on retrouve deux finalistes de la même nationalité. Les acteurs de la chose culturelle rencontrés appellent à une synergie d'action. Je voudrais demander à l'État que désormais, dès que c'est des situations, des projets peut-être individuels, qu'un Béninois prend, et qu'à partir d'un certain moment, cela devient des challenges pour des nations, qu'il se charge de récupérer, de mettre un comité en place, et de travailler pour que nos chances s'accroissent, de travailler pour que des trophées de ce genre reviennent au niveau du Bénin. Je vais vous le dire, cela m'engage. Le Bénin est meilleur en beaucoup de choses. Disons, si je ne veux pas dire tout, les autres nations savent, les autres nations africaines savent que le Bénin a d'énormes potentialités en matière de musique. Artistes, musiciens, coachs, nous avons les meilleurs. C'est une belle expérience. Et qu'il faut rééditer. Une expérience à laquelle il faut se préparer pour la saison 4 déjà. À noter que les ambassadeurs du Bénin à cette compétition, notamment Giovanni et Karina Sen, ont été reçus par les autorités béninoises en charge de la culture. Une note sportive pour boucler la page nation de cette édition. Deux ans après son interruption, la 16e édition du Tour cycliste international du Bénin fait son comeback du 17 au 22 mai 2021. Une conférence de presse a été organisée ce mardi en prélude à l'événement par les initiateurs. On retrouve Frédéric Espoir Humambu et Romaric Devauchy pour Le Point.
Pour ce 16e tour cycliste international du Bénin, le départ sera donné à Djougou, avec une cinquantaine de coureurs venus de plusieurs pays de la sous-région pour courir une distance totale de 632 km. Le nombre de pays participants. Nous aurons le Bénin avec deux équipes, une équipe A, une équipe B, qui sont en ce moment entre Bokoumbé, Natitingou et Djougou. Ils s'entraînent déjà sur place. Eux, ils ne reviendront pas au sud. Nous allons les rejoindre là-bas. Ils sont déjà sur place. Nous aurons le Burkina. Nous aurons la Côte d'Ivoire. Le Nigeria sera de la partie. Le Niger sera de la partie. La RDC sera de la partie. Le Sénégal aussi sera de la partie. Cette 16e édition du Tour cycliste du Bénin intervient en pleine période de Covid-19 et là-dessus, des dispositions hardies sont prises. Nous allons essayer de créer une bulle Covid, c'est-à-dire que les coureurs, une fois la course terminée, seront protégés et par rapport au public. Et quand ils rentrent dans leur camp, parce qu'en arrivant au Bénin, ils auraient fait un test Covid, en arrivant et en repartant, ils feront un test Covid parti. Mais après, ils rentrent dans une bulle de protection où, là où ils seront logés, nous ne voulons pas avoir de visiteurs, nous ne voulons pas, nous allons les protéger après la course. Et le masque, le port de masque est obligatoire. Au-delà de tout, les organisateurs entendent rendre populaires à tous égards les différentes étapes en apportant du bien-être sur l'ensemble du parcours aux populations. Ce sport qui est un sport, probablement un des seuls sports qui va au contact du public, c'est pas le public qui doit faire le déplacement, c'est le vélo qui vient devant les fenêtres du public. Donc c'est un sport extrêmement populaire et je sais que cette année, la caravane du Tour va être populaire dans tous les sens du terme. Elle sera populaire parce qu'elle attirera la foule et je crois qu'elle sera populaire parce qu'elle va... Elle va aussi distribuer de nombreux lots et gadgets. Et à chaque étape, les sponsors que nous sommes participeront à l'embellissement de la vie des populations au travers de car podium, avec des fêtes, avec de la joie, de la musique et de la bonne humeur. Voilà. Rappelons que des 6 étapes à courir, 3 sont en circuit fermé. Il s'agit notamment des étapes de Parakou, de Porto Novo et de Cotonou. Actualité en dehors du Bénin, journée de deuil aujourd'hui en Russie suite à une fusillade intervenue hier dans une école de Kazan. Un homme de 19 ans a ouvert le feu faisant 9 morts et une vingtaine de blessés. Retour sur ce drame avec nos confrères de RT France. Il est 9h à Kazan quand les premiers coups de feu retentissent. Les élèves et collaborateurs de l'école numéro 175 sont visés. Des scènes d'une extrême violence qui forcent des élèves à s'échapper en sautant par des fenêtres du 3e étage. Tout d'abord, nous avons fermé les salles de classe, les fenêtres. Nous avons interdit aux enfants de s'approcher des fenêtres. On leur a dit de s'accroupir le long du mur et on les calmait. Il y a eu des coups de feu. Mon fils dit qu'il y a eu une explosion. On a tiré à 3 reprises, puis il y a eu une explosion et ensuite le silence. Pendant ce temps de silence, d'autres enseignants sont venus pour les évacuer par la porte de côté. Interpellé quelques instants après le drame, l'auteur des faits, un jeune homme de 19 ans, est un ancien élève de l'établissement. Juste avant le passage à l'acte, l'assaillant avait laissé des messages sur les réseaux sociaux annonçant son intention de tuer tout en affirmant être Dieu. Une enquête pour meurtre a été ouverte. La piste terroriste est pour l'instant exclue. Selon les autorités, l'assaillant possédait un permis de port d'armes depuis le 28 avril dernier. La plus meurtrière en Russie depuis 2018. Cette fusillade relance le débat sur le contrôle des armes à feu dans le pays. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes, Vladimir Poutine a d'ores et déjà ordonné de revoir les règles régissant le port d'armes. Viktor Zolotov, le directeur de la garde nationale de Russie, a été chargé de la mission spéciale de rédiger d'urgence un nouveau règlement sur les types d'armes qui peuvent être vendues aux civils et détenues par la population, en prenant en compte le type d'armes légères utilisées par l'assaillant. Président
Suite à ce drame, la région du Tatarstan, où se situe Kazan, a annoncé le renforcement des dispositifs de sécurité dans l'ensemble des établissements scolaires de la ville. La Russie a également décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes. Et puis une centaine de Toulousains se sont rassemblés devant le monument combattant de la route 40 hier pour rendre hommage aux deux policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions. Devant le monument aux combattants de la Haute-Garonne qu'ils ont choisi de se rassembler, une centaine de Toulousains rendent hommage aux deux policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions ces dernières semaines. Et un rassemblement au soutien aux militaires d'actifs signataires anonymes d'une tribune publiée dimanche dernier dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui appuie une première publication très controversée il y a 3 semaines. Dans l'Assemblée, Jean-Pierre Fabre Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie, a l'initiative de ces textes. Quand je me suis aperçu de la manière dont on nous traitait, quand je me suis aperçu des insultes que l'on avait, quand je me suis aperçu que le gouvernement ne voulait absolument pas nous écouter et pensait au contraire que nous étions dans l'erreur totale, par un déni de vérité, je me suis dit qu'il fallait qu'on marque déjà notre départ. On voulait marquer le coup à la fois pour nos anciens, pour tous ceux qui sont morts pour la France, ensuite pour les deux policiers, la policière et le policier qui sont morts. Le 21 avril dernier, une première lettre ouverte faisait l'effet d'une bombe, un appel contre le délitement de la France et pour un retour du sens de l'honneur et du devoir au sein de la classe politique, signée par plus d'un millier de militaires et 20 généraux à la retraite, dont Jacques Darcos. On a voulu lancer un cri d'alarme aux gouvernants pour leur dire la situation est grave, il y a des morts tous les jours et un jour ça va éclater. Le gouvernement doit prendre des mesures. Ce n'est pas la bonne manière d'agir. Mais on le fait parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Et les policiers viennent de faire la même chose. Bon, vous savez, maintenant, tout le monde se rend compte que voilà, deux policiers qui sont tués, les banlieues qui brûlent dans tous les sens, on n'est pas dans une situation apaisée, comme dit le président de la République. Tous les signataires de cette tribune encourent des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation. Le ministère des Armées leur reproche d'avoir enfreint leur devoir de réserve. Des membres de la classe politique s'étaient dressés contre cette publication, dénonçant une incitation à l'insurrection. Une accusation dont se défendent les signataires. Moi, 70 balais, si j'organise un putsch, je vais faire rire plutôt qu'autre chose. La deuxième chose, c'est que généralement, on n'annonce pas quand on fait un putsch. Vous voyez, on ne dit pas « Allô, je vais faire un putsch dans 8 jours ». Il y a un mot dans cette lettre qui montre que ce n'est pas le cas. Je dis, en fin de compte, attention, parce qu'à un moment donné, nos camarades d'actifs vont être dans le cadre d'une mission. Mission, si le mot « mission » veut bien dire ce qu'il veut dire. L'armée, quand elle a une mission, elle le tient du politique. C'est pas sa mission à elle, ça voudrait rien dire. Donc le mot mission veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question une seconde de putsch. Ces militaires ont en revanche reçu le soutien public du Rassemblement national à chaque publication, sa présidente Marine Le Pen les appelant à la rejoindre. De son côté, dans une interview sur BFM TV ce lundi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a estimé qu'il s'agissait d'une manœuvre politique du Rassemblement national à moins d'un an de l'élection présidentielle. Cette deuxième tribune, anonyme, prend cette fois la forme d'une pétition que les lecteurs du site de Valeurs Actuelles peuvent signer, également de façon anonyme. Ce mardi à 18h, elle avait recueilli près de 250 000 signatures. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.